C'est dans l'optique d'encourager la vision stratégique et perspicace des autorités en matière d'éducation. L'OIF, Top Science, Comilog et d'autres ont décidé de s'investir au concours national des meilleurs élèves en apportant une contribution destinée aux futurs lauréats du concours. Le lot est composé d'ouvrages scolaires et puis d'une tablette numérique. C'est un lot essentiellement vraiment d'ouvrages scolaires. Il s'agit des élèves qui ont besoin de nourrir leur intelligence. Par ce geste, nous venons adhérer à la vision et au projet du ministère qui est un très bon projet, celui qui vise à prôner l'excellence. La vision consiste à mettre en lumière les meilleurs élèves sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi les efforts des acteurs de l'éducation. Venir de l'intérieur pour ceux qui seront sélectionnés, de l'intérieur à Libreville, recevoir les récompenses des mains du ministre de l'Éducation nationale, c'est une fierté pour la communauté éducative parce que l'établissement de provenance de l'élève qui sera le premier national, cet établissement aura le label de l'établissement d'excellence. C'est une fierté, c'est un honneur, c'est vraiment un défi commun. Ce concours est un nouveau baromètre pour mesurer l'excellence. Pour cette première édition, l'État a mis les bouchées doubles. Les futurs lauréats seront récompensés au cours d'une cérémonie solennelle placée sous le haut patronage du chef de l'État le 13 août prochain.